Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et fidèlement. Vous pouvez aussi nous suivre en web radio idfm98.fr, en vidéo live sur Facebook page Barre de l'économie et je vous invite à retrouver nos replays sur YouTube, chaîne Barre de l'économie. Pour notre rendez-vous de ce matin, place à l'innovation dans le tri et recyclage, la transaction patrimoniale et le diagnostic immobilier. Et pour présenter ces différents thèmes, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Deroux. Bonjour Aurélie. Bonjour Jacqueline. Aurélie, vous êtes la fondatrice de Cocotarium, une start-up créée en février 2018 qui offre une solution originale de sensibilisation au tri des déchets. Et nous verrons avec vous quelle est cette solution. À vos côtés, Thomas Abinal. Bonjour Thomas. Bonjour Jacqueline. Thomas, vous êtes le cofondateur de Monetivia, une start-up créée en 2015 qui propose un nouveau concept directement inspiré du viager sans être un viager. Absolument. Nous sommes donc très curieux d'en savoir plus sur ce dispositif. Et à vos côtés, Rachel Burban. Bonjour Rachel. Bonjour Jacqueline. Rachel, vous êtes présidente de Best Diag Immo, un cabinet qui, comme son nom l'indique, est spécialisé depuis 2018 dans le diagnostic immobilier. Un passage obligatoire qu'il s'agisse de vente ou location d'un bien immobilier et dont vous nous direz toute l'importance à la fois pour le vendeur et l'acheteur. Avec plaisir. Bienvenue à tous les trois pour ce bar de l'économie. Vers 10h, comme chaque mardi, notre expert en communication, Étienne Barrier de Unique Production, nous présentera sa chronique dans laquelle il nous donnera des conseils pour préparer au mieux ses conférences Zoom. Mais en attendant et pour commencer, l'info que j'ai choisie pour vous. Une info qui fait état de la satisfaction des entreprises séduites par les dispositifs publics de soutien à l'innovation. Les entreprises interrogées par le comité Richelieu plébiscitent le crédit d'impôt pour la recherche, CIR, et celui pour l'innovation, ainsi que le statut de jeune entreprise innovante. Mais, regrette-t-elle, les contrôles fiscaux sur le CIR se multiplient. Les dispositifs publics destinés à favoriser l'innovation sont désormais pléthoriques en France. Crédit d'impôt recherche CIR, création de BPI France, statut des jeunes entreprises innovantes, rehaussement de 25 000 à 100 000 euros du seuil d'achat public innovant sans mise en concurrence, crédit d'impôt innovation, c'est deux dits, mais sont-ils efficaces? Le débat entre économistes fait rage. Si les dépenses de R&D en France représentent 2,21% du PIB, enfin du PIB en 2018, dont les deux tiers sont effectués par les entreprises, ce chiffre reste un peu plus bas que la moyenne des pays développés. Les deux tiers des entreprises interrogées par l'association qui regroupe des PME innovantes font aujourd'hui partie d'un système labellisé French Tech contre 19% il y a 4 ans. Autre point positif, 41% des répondants sont bénéficiaires du statut de jeunes entreprises innovantes qui permet de profiter d'exonérations fiscales et sociales. Et parmi elles, 84% estiment que le dispositif a eu un impact significatif sur leur activité, selon l'enquête, du comité Richelieu. BPI France a aussi trouvé sa place. La moitié des entreprises déclarent accéder plus facilement auprès et 41% aux aides à l'exportation avec la naissance de BPI France. Autre dispositif de soutien à l'innovation, le C2I permet aux PME de bénéficier d'un crédit d'impôt de 20% des dépenses nécessaires à la conception de prototypes ou d'installations pilotes de produits nouveaux. Dans le CIR, si les dépenses de recherche sont inférieures à 100 millions d'euros, le taux s'élève à 30%. Pour Jean de Lalandre, si le taux du C2I était relevé à 30% et donc mis au même niveau que celui du CIR, cela enlèverait beaucoup de contentieux fiscaux. Celui-ci vient d'ailleurs d'être relevé à 40% pour la Corse, pointe-t-il. Il est vrai que les contentieux sont nombreux. La moitié des entreprises interrogées ont fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur le CIR au cours des dernières années, contre 38% il y a 4 ans, ce qui pousse le comité Richelieu à demander à l'administration davantage de bienveillance. Il est normal qu'il y ait des contrôles, mais il faut trouver une juste mesure et ne pas rajouter une dose de contrôle à une administration qui a déjà une solide culture en la matière, considère Jean de Lalandre. Le coût de CIR devrait tout de même atteindre 6,5 milliards d'euros cette année, selon Bercy. Alors je me tourne vers mes invités.
J'ai dit beaucoup de chiffres, mais Aurélie, avez-vous eu recours à ce crédit d'impôt pour votre création? Alors non, j'ai pas eu recours au CIR, en revanche j'ai eu recours à la BPI, au D'accord. PIA. Donc Oui. c'est un prêt, enfin c'est pas un prêt, c'est une subvention qui permet en fait de bénéficier, enfin en tout cas une aide à l'innovation sur tout ce qui est technologique. D'accord. Voilà. Et pour le moment, pas de contrôle fiscal. Non, pas de Très contrôle. bien. Vous, Thomas, vous avez eu recours à ce crédit Alors moi je d'impôt? crois que je suis dans le même cas qu'Aurélie, j'ai pas eu, on n'a pas eu le CIR, mais on a bénéficié au départ d'une subvention de la BPI, donc je D'accord. voudrais remercier. Et par rapport à ce que vous disiez, bah, je pense que c'est normal qu'à partir du moment où vous avez des grosses subventions, des gros programmes défiscalisants, vous ayez des contrôles. Je crois Complètement, que sur je le CIR, pense, il y a quand même des absolument. sociétés qui utilisent pour lesquelles ça représente des grosses masses d'argent. Donc, mais peut-être qu'il faut recentrer les contrôles sur les gros et pas les petits. C'est Voilà. ça. C'est une idée comme ça. Bien. Rachel, je pense que vous, non, dans votre activité, vous n'avez pas besoin d'avoir recours au crédit d'impôt, je pense. Alors, crédit d'impôt, non, mais lors de la création de la société, donc en 2018, on a été financé, et D'accord. notamment par France Active, Ah oui, bien sûr. qui est un Oui. élément important des rouages et qui permet en effet aux entreprises de financer ou en partie, oui, Très bien. dans France Active. Merci à tous les trois pour vos éclairages. On fait une pause et on se retrouve juste après. Ah, ça va réveiller, je te le dis. Hey, c'est marrant, donc tous les trois, on a quand même bénéficié de. Oui, c'est ça. Comme quoi, ça. Ah ouais. Oui, C'est très c'est. Ah bon. non, mais je pense que la plupart des entreprises qui viennent ici Ouais. bénéficient. Oui. Ah ouais. On peut se plaindre quand on est passé, mais on a déjà quand même pas mal. Hein. Ouais. Bien sûr. Alors vous, je ne sais pas, mais nous, dans le cas de France Active, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'en plus, ils se sont portés caution bancaire. Ah Oui. oui. C'est ça, on Oui, disait ce c'est point-là, précieux, ça. mais voilà, Ouais. parce que l'emprunt, c'est une chose, mais le caution bancaire sur Oui, les emprunts, c'était une. et évidemment, donc on n'a pas été caution personnelle, Ouais. etc. Donc, ce n'est pas négligeable, Non, c'est loin de sûr, là. ouais. Ou d'avoir des primes majorées parce que, voilà, pour l'assurance. Non, non, c'était intéressant. Ouais, si tu peux être fait pour pas être caution perso, je pense Ouais. que c'est bien. C'est pour ça, ouais. D'accord. Moi, j'ai quand même un petit bémol sur ça, par rapport à la BPI. En fait, on a été un peu amené dans une voie, c'est-à-dire que nous, on est rentrés dans un incubateur à Paris. On D'accord, nous a oui. dit que si vous entrez dans cet incubateur, de toute façon, tout sera gratuit. Et une fois qu'on a été lauréat, c'était bon, vous êtes Comment? proche, bon, bah, Pas maintenant, ce sera question bossé par la proche du BPI micro. pour pouvoir avoir la Mademoiselle, subvention pour pouvoir c'est payer sûr. l'incubateur. Ah, Et moi, j'avoue, c'est pas gratuit. Bah non, c'est gratuit si vous avez la subvention. mais c'est l'incubateur du coup qui Ah vous oui. a un peu. Ouais, c'est l'incubateur qui nous a. En fait, on a C'est été assez un peu décevant. amené dans Du ça. coup, Oui, la oui, licorne. On l'a, Non, alors, ah, oui, et oui, c'est Endurance par Rest. exemple. Mais C'est quoi on l'a le eu, titre? sauf que, Shut the dark. effectivement, ça a Shut payé notre in the loyer, ça a dark. payé notre accompagnement. Alors, en taxe, on prenait tout en compte. En fait, c'est nous. On est comme ça. Ouais. Mais effectivement, voilà, du coup, on a bénéficié de ça. Mais moi, du coup, j'ai pas été amenée dans ça d'une Ouais, manière très. très clair. Ouais, très limite. J'en parle Ouais, pas comme nous, on est ça, en mais. pépinière d'entreprise, par exemple. On n'est pas en incubateur. Ouais. C'est Bah, différent. moi, Ouais. franchement, moi, j'ai intégré le premier incubateur, c'était à l'Unitec dans le 95. Enfin, ça s'est super bien passé. C'était la première, c'était presque une couveuse, quoi, parce que Ouais. moi, j'avais Ouais. passé. Et après, on est sur Paris, c'était une autre histoire. J'ai pas... Ouais. Je pense qu'il C'est bientôt y fini. a D'accord. vraiment Aurélie, il faut bien vous parler dans le micro un. parce Ah que c'est oui. directionnel. Voilà. Ok. Merci. On aime la musique bien sportive. Ouais, ça fait du bien de l'entendre. Ça Ouais, décrase. ça arrache. On est loin des chants de Noël. On est Bon. loin des chants de Noël. Intervenez sur toute la région parisienne? Ouais. Sauf 77. Vous êtes combien? Bien sûr. 3. Un titre pour nous réveiller ce matin, Shot in the Dark, ACDC. Radio IDFM, le bar de l'économie. Et si vous nous rejoignez ce matin, je donne la parole à Aurélie Deroux, fondatrice et présidente de Cocotarium, Thomas Binal, cofondateur et directeur général de Monetivia,
et Rachel Urban, présidente de Best Diag Imo. Alors Aurélie De Roux, je commence avec vous cette interview. Merci pour votre présence. C'est moi qui vous remercie. Et comme je l'ai dit au début, donc Cocotarium est une solution originale, voire ludique et pédagogique pour inciter les particuliers à trier leurs biodéchets. En réponse à la loi, je pense, sur la transition énergétique qui imposera en 2025 ce tri à la source, c'est bien ça? Exactement. C'est votre point de départ? C'est exactement ça. Alors, avant de nous raconter ce que vous faites, Aurélie, rappelez-nous votre parcours. Ah oui, alors moi je suis de formation architecte d'intérieur et designer. Oui. J'étais formée à Paris, à l'École Bleue, là où j'enseigne aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Et donc, suite à ça, j'ai travaillé en tant qu'architecte d'intérieur et designer pendant quelques années avant de lancer Cocotarium. Alors, pourquoi Cocotarium? Pourquoi Cocotarium? Alors ça commence en fait un peu en amont. Moi, si j'ai fait ces études, c'est parce que je suis passionnée par les phénomènes sociologiques. Et, oui. Et pour moi, changer nos modes de vie, changer la vie des gens vers du mieux, ça passe aussi par se poser la question de comment vivent les gens à l'intérieur de chez eux. D'accord. Enfin, je donne souvent cet exemple, mais Charlotte Perriand, quand elle a dessiné des cuisines ouvertes, ce qu'on appelle aujourd'hui les cuisines américaines, elle a changé d'un seul coup le statut de la femme qui est passée voilà, d'une personne qui prépare était, à manger. Papy-mamie à la cuisine. C'est ça, reclus dans sa cuisine, à d'un seul coup avoir une place au sein de ses invités, dans la pièce. Ouais. Et en fait, politiquement, ça a eu un vrai impact. Ouais, ouais. Même si, bien sûr, il y a eu à ce moment-là plein d'évolutions technologiques. Oui, ça a été décliné en plusieurs façons. Et... Oui, et puis bon, il y a eu du coup des progrès qui nous ont permis d'avoir tout l'électroménager qui a facilité la vie des femmes à l'époque, hein, puisque les hommes n'étaient pas forcément attribués à ces tâches-là. Et donc voilà, pour moi, l'architecture a un vrai impact dans nos modes de vie et on a une espèce de petit pouvoir, si on l'utilise à bon escient. Une responsabilité en tout cas pour... Exactement. C'est un peu le démarrage de cette histoire. Donc, alors, de fil en aiguille, vous avez été amenée justement à créer Cocotarium. Oui, parce qu'en fait, quand on se pose les questions sur le mode de vie des personnes, quand on a envie d'améliorer le quotidien des gens, très vite, on se pose la question de notre propre mode de vie. Et en fait, quand on se pose des questions sur la société, on arrive très vite aussi à se poser des questions sur l'environnement en général, donc l'environnement de vie, mais aussi l'environnement tel qu'on l'entend aujourd'hui, avec le respect de la nature, etc. Et donc, forcément, quand on dessine une architecture, quand on dessine la ville de demain, on se pose des questions de la logistique, on se pose des questions sur le bien-être de ses habitants, et ça passe effectivement pour comment bien manger, comment bien se loger, comment répondre aux besoins physiologiques. Et pour ça, on arrive très vite à la question des déchets, puisqu'en fait, aujourd'hui, la question des déchets, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est bien souvent exporté dans des déchetteries ou dans des décharges qui sont éloignées des villes et en périphérie. Donc, c'est quelque chose que personne ne voit. Et quand on jette ses déchets à la poubelle, quand on fait cette action de descendre ses poubelles chez soi, on a l'impression d'avoir fait le job, alors que derrière, il y a tout un processus. Ouais. Et du coup, il y a vraiment une question, une réflexion à mener sur comment on optimise ça, comment on valorise ses déchets. Et puis, il y a un problème aujourd'hui qui est identifié, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces déchets, comment on les gère, comment on les traite, et comment est-ce qu'on peut économiser nos ressources en évitant de créer ces déchets déjà de base, en fait. Et quand on pense à la conception des objets qu'on consomme aujourd'hui, qu'on utilise, il y a énormément d'emballages, et il y a énormément déjà de ressources qui pourraient être économisées, rien qu'à la base, sans parler du produit lui-même, c'est sûr, sa conception. Bon, après, je pense qu'aujourd'hui, le mouvement est enclenché, parce que chacun maintenant est conscient de cette importance. Exactement, la problématique, elle a été identifiée. Il y a eu plein d'acteurs avant nous, avant notre génération, qui ont été un peu des lanceurs d'alerte, qui n'ont pas forcément été pris au sérieux pendant des années, parce que tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qu'on ne voit pas, on a beaucoup de mal en fait à le rendre...
concret, en fait, et à y croire. Nous, on est très cartésien et très, on a besoin de voir les choses pour y croire. Et aujourd'hui, il y a énormément de scientifiques qui attestent de ces problématiques climatiques, de ces problématiques environnementales. Et donc, du coup, tout ça a donné de la crédibilité à ces enjeux, en fait. D'accord. Alors, donc, vous avez réfléchi à comment recycler, faire ce tri des déchets. Et vous êtes arrivée à cette solution de Cocotarium. Est-ce que vous êtes familière décrivez-nous Cocotarium avant que je vous pose la question. Alors, Cocotarium, c'est un poulailler urbain participatif qui propose aux habitants, mais aussi aux collaborateurs au sein des entreprises, de déposer leurs déchets alimentaires au sein de collecteurs qu'on va mettre soit dans la ville, soit à proximité du Cocotarium. Mmh. Et ensuite, on va récupérer ces déchets, les trier, nourrir les poules, donc ce sont des déchets alimentaires qui sont consommables par les poules, et suite à ça, les poules vont pondre des œufs qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir déguster, donc c'est des œufs produits localement, près de chez soi. Et l'avantage de tout ça, c'est que, on peut sauver des poules des abattoirs, puisqu'on va récupérer certaines de ces poules pour les mettre dans le Cocotarium. Deux, on va pouvoir faire travailler des personnes en insertion professionnelle à qui on va apprendre un nouveau métier et qui vont pouvoir être sensibilisées à cette question-là et aussi propager les gestes de tri. Et trois, on met ces œufs en point relais gratuitement dans les commerces de proximité pour relancer l'activité locale et permettre aux habitants qui ont effectué cette action de jeter leurs biodéchets de leur permettre de redécouvrir leur boulanger, leur pâtissier, leur chocolatier, etc. Donc c'est aussi, aussi à une dynamique. Vous avez bien réfléchi au principe de la distribution, complètement. Mmh. Oui, d'ailleurs, votre entreprise fait partie de l'économie sociale et solidaire. Exactement. Et on sent que pour vous, ça devait être important d'avoir ce statut. Oui, en fait, ça va dans une démarche cohérente. En fait, l'idée, quand on crée un projet comme ça, c'est de s'assurer, dès la création jusqu'au produit fini, que toutes les actions, que toutes les étapes de réflexion nourrissent à chaque fois quelque chose de vertueux. Et il faut rester cohérent dans sa démarche. Et effectivement, au sein même de Cocotarium, dans la création de l'entreprise de Cocotarium, dans les objets des statuts de Cocotarium, on a aussi des sujets de gouvernance plus équitables, etc. Alors, vous êtes deux associés dans cette entreprise, mais vous-même, vous avez toujours eu envie de créer une entreprise? C'est quelque chose qui vous trottait dans la tête ou c'est vraiment cette réflexion sur le tri qui a... Alors, je pense que oui. En fait, moi, mon rêve, c'était de construire la ville de demain et d'imaginer des solutions pour la ville de demain. Donc aujourd'hui, ça passe par Cocotarium. Et je me suis très vite rendu compte que si j'avais envie de créer tel que je l'entendais, avec ma vision des choses, quelque chose, il fallait que je sois autonome. Oui, complètement en fait. Acteur. C'était difficile de trouver ça au sein d'une entreprise. Oui, je comprends. Alors, donc Cocotarium, c'est... Ce nom est né, enfin, je pense que c'est pour créer une idée d'écosystème, c'est ça? Le mot Cocotarium, en fait, ça vient de cocotte, oui, de langage courant, oui. Et arium qui est l'habitat, en fait, oui, c'est ça. Donc l'habitat des poules. Ouais, très bien. Mais alors, c'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure. Est-ce que vous êtes familière avec les poules? Est-ce que vous l'étiez avant de créer Cocotarium? Moi, j'ai grandi dans un milieu pays urbain, ce qu'on appelle. Oui. Donc, j'étais à la fois entre la ville et la campagne. Donc, oui, j'ai côtoyé la campagne de près. Et j'ai pas eu de poulailler quand j'étais enfant, mais j'allais chez les grands-parents d'une cousine à moi qui avait des poules et j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Oui. Voilà. Mais donc, c'est-à-dire, vous avez réfléchi à ce tri-là dont vous nous avez parlé et vous avez... Vous vous êtes posé la question en vous disant ça n'existe pas, on va se lancer là-dedans. C'est comme ça que c'est parti. En fait, aujourd'hui, je me suis dit il faut trouver un moyen de changer le mode de vie des gens. C'est hyper compliqué de changer son mode de vie. C'est hyper compliqué de se dire bon, à partir de demain, je prends des bonnes résolutions. On voit à chaque nouvelle année, on a tous plein de résolutions et on s'y tient pas forcément. Par contre, si on amène ça avec un peu d'humour, un peu de légèreté,
et qu'on donne l'impression aux gens qu'ils vont faire, ils vont s'amuser en faisant ça et que et ça va être un moment agréable, bah, tout de suite ça change la donne. Quand on va faire quelque chose parce que c'est ludique, parce que c'est sympa, parce qu'on va rencontrer du monde, ça donne tout de suite plus envie que si on dit bah voilà, vous allez mettre vos mains dans les déchets, trier. Non, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et en fait, moi je n'ai rien inventé en soi, je l'ai réadapté pour la ville, mais je me suis surtout inspirée des grands-parents, en fait, de mes ancêtres, hein, qui eux avaient été remplis de bon sens dans leur manière de valoriser leurs déchets. Quand ils faisaient leurs courses, ils ne partaient pas les porter à l'extérieur. Exactement, puis ils n'avaient pas d'emballage, ils allaient avec leur petit panier au marché, récupèrent leurs fruits et légumes, voient les agriculteurs, etc. Donc ils ne se posaient même pas la question, en fait, ils étaient écologistes sans le savoir, c'était juste du bon sens et qu'on a beaucoup perdu. Oui, c'est l'urbain qui a détruit un petit peu ce bon sens. Bah, moi, je ne vais pas rejeter la faute sur qui que ce soit, je pense qu'on a tous notre responsabilité là-dessus, et c'est nos modes de vie qui nous ont amenés aujourd'hui à plus voir, en fait. On a été un peu déconnectés de notre environnement naturel, et il y a plein de choses qui ont été mises en place pour simplifier la vie. Les emballages, ça n'a pas été fait pour qu'on se retrouve aujourd'hui dans une galère climatique. Ça répondait à un besoin d'urgence qui allait avec nos modes de vie, de toujours aller plus vite, d'être toujours plus rapide. Et puis c'est une économie aussi, les emballages. Hein. C'est aussi des emplois derrière. Aujourd'hui, voilà, c'est devenu une économie. Alors, comment mettez-vous en place ces poulaillers? Décrivez-nous votre démarche. Vous avez besoin forcément de l'accord des municipalités? Oui, alors en réalité, c'est plutôt les collectivités et les entreprises qui viennent vers nous. D'accord. Les collectivités, parce qu'ils ont envie de sensibiliser leurs habitants au tri des biodéchets, qu'ils ont envie de les sensibiliser à l'environnement de manière globale. Il y a de plus en plus de composteurs qui sont mis en place dans les villes, la gestion du tri, il y a des maîtres composteurs qui sont formés. Et donc on est souvent appelé par des villes qui ont à cœur de sensibiliser leurs habitants à ces questions. Dans les entreprises, c'est pareil. Dans les entreprises, ça permet aussi de créer du lien social, ça permet de créer ce qu'on appelle les pauses cocottes, où les collaborateurs vont se retrouver autour d'un projet autre que le projet au sein de l'entreprise. Ça va permettre de fédérer, ça va permettre de créer un moyen pour que les gens se rencontrent aussi, se croisent, parce que parfois dans les entreprises, les gens s'échangent beaucoup de mails, mais ils ne vont pas forcément se parler de visu, donc ça recrée du contact. Et dans les villes, c'est pareil, ça permet une cohésion sociale aussi. Quand on a différents quartiers avec différents types de populations, d'un seul coup, si on met un cocotarium dans le parc et ça rejoint différents quartiers, c'est un lieu de rencontre. Exactement. Mmh. Et c'est complètement un lieu de rencontre. En fait, nous, on s'est inspiré dans la forme des kiosques à musique d'antan. D'accord. Qui étaient ces lieux en fait, où les gens assistaient à du théâtre, à des concerts. Et c'était des lieux de partage, des moments de convivialité. Donc, nous, ça a beaucoup inspiré de ces formes-là pour créer les cocotariums et recréer ces lieux de partage. Alors aujourd'hui, où sont-ils situés ces cocotariums? En Ile-de-France et en Normandie. Oui. Vous en avez installé beaucoup? On a 13 sites actuellement. Oui. Donc, on installe depuis juillet 2019. L'année du Covid qui ne nous a pas aidé comme oui parce que justement qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid comment il fallait s'occuper des poules malgré tout. Ah oui, nous on continue notre activité, on continue à livrer nos clients, on continue à maintenir nos prestations, l'entretien, etc. Vous n'avez plus l'apport des déchets COVID, en tout cas le premier confinement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos poules sont autonomes, dans le sens où, effectivement, vous pouvez venir déposer vos déchets alimentaires, mais si jamais il n'y a pas d'apport de déchets, nous, on leur donne une base céréalière quand ils arrivent, ce qui assure les besoins alimentaires. Oui, en fait. D'accord. Elles ne comptent pas que sur les exactement. Déchets. J'ai vu que vous aviez il y avait la pose cocotte, le studio de Monique, la villa de Monique, c'est le nom des poulaillers? Oui, en fait, Monique, c'est notre ambassadrice. C'est la présidente de l'Union des cocottes urbaines oisives et épanouies. On est très politisés au sein de Cocotte Urbaine, très révolutionnaire. Monique a un discours très affirmé et chante la Marseillaise pour lutter contre les déchets. Donc, c'est sa Marseillaise à elle. Donc, voilà, ça fait partie de l'univers Cocotarium. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, le sujet de l'environnement, ça a été un sujet extrêmement sérieux et dramatisant et assez angoissant pendant très longtemps, et je pense que c'est aussi peut-être ce qui a pénalisé ce mouvement.
Si on y met de l'humour, si on y met un peu de légèreté, même si c'est dramatique et que voilà, c'est un sujet extrêmement important, bah, ça permet de dire aux gens, voilà, il n'y a pas de petits pas, on commence tous par quelque chose. Et ce qui compte, c'est ce petit pas et petit à petit, on y arrive. C'est la légende du colibri. Exactement, c'est la part du colibri, chacun fait sa part. Alors, malgré tout, qui dit poulailler dit nuisance sonore et olfactive. Et donc, les poulaillers nécessitent d'être maintenus en bon état. Et surtout, moi, je me posais la question, comment avoir l'assurance que ce qui est donné aux poules leur convient les gens arrivent? C'est totalement légitime. Hein. C'est les premières barrières qu'on a rencontrées quand on a voulu installer nos premiers poulaillers en ville. Parce qu'on a souvent l'image des poulaillers de nos grands-parents avec de la gadoue, c'est pas toujours très propre, on a peur que ça attire les rats, etc. Donc l'idée, c'était de concevoir un poulailler qui soit adapté et qui réponde aux besoins des villes en évitant toutes ces problématiques-là. Donc les nuisances sonores, les coqs sont interdits en ville, donc déjà on n'a pas de coqs dans nos poulaillers, ce qui limite une grosse partie des nuisances. Pour tout ce qui est nuisances olfactives, nous on va utiliser un autre type de litière qu'on utilise beaucoup pour les rongeurs actuellement et qu'on produit en France. D'accord. Qui a un pouvoir d'absorption et qui est efficace, qui est complètement efficace, qui est biodégradable et qui permet en plus de récupérer les déjections des poules pour s'en servir comme engrais dans la culture potagère ou la culture agricole. Toujours la circulation. Exactement. Mais donc pour s'assurer que ce qu'on leur donne à manger et leur convient. Alors nous on forme, chaque fois qu'on installe un cocotarium, en fait on forme des équipes. On a une espèce de petit quiz, le quiz de Monique, où on va former toutes les personnes qui vont être bénévoles ou qui vont participer à l'entretien du poulailler. Et puis, donc là, c'est sous forme de jeu, c'est assez ludique, etc. Puis il y a des astuces, en fait, et puis on envoie des informations en fonction des saisons. Donc, on ne va pas forcément manger la même chose, donc on va envoyer des informations qui vont être propres. Par exemple, là, en ce moment, on va consommer plus de pommes de terre, de potimarron, etc. Donc, on va indiquer ce qu'on peut donner, pas donner directement. D'accord. Mais après, quand on forme, on donne des astuces. Et en fait, c'est très simple. Les poules mangent ce qu'on est capable de manger. Tout ce qu'on ne mange pas nous-mêmes, elles ne mangent pas. D'accord. Après, elles mangent des insectes en plus. Donc, c'est plus simple. Finalement. En fait, c'est assez simple. C'est une fois qu'on a formé les collaborateurs, en général, ils sont assez autonomes. Et puis, s'ils ont peur, s'ils ont quelques craintes, on est toujours là pour les accompagner. Donc, voilà. Donc j'imagine que vous avez des gens fidèles qui ont pris le pli pour venir et que vous distribuez des œufs. C'est combien d'œufs par jour ou par semaine? Alors par poule, on a 200 œufs à l'année. Oui. Par poulailler, on a différentes gammes de poulaillers, mais donc ça peut être 2000 œufs par an, comme 800 œufs par an en fonction de la taille du poulailler. Cocotarium, c'est aussi une application, j'ai vu. Oui, alors elle n'est pas encore mise en place. Ah, d'accord. Nous, on est encore en plein développement. On aurait dû la lancer cette année, mais avec les événements que vous connaissez, on s'est un peu ralenti. On se rend compte qu'en fait, ça fonctionne aussi sans. Ça va être quelque chose de très bénéfique pour nous quand on va se développer davantage et quand on aura pouvoir toucher plus de personnes. Exactement. Ça nous permettra aussi de mieux mesurer notre impact à tous les niveaux. Alors aujourd'hui, quels sont vos besoins, Aurélie? Nos besoins, nous, alors on en a plein. On a besoin de plein d'ambassadeurs, de plein de personnes mobilisées qui ont envie d'avoir des poulaillers près de chez eux. Mais plus concrètement, au sein de l'entreprise, nous, on est en pleine levée de fonds actuellement pour justement développer la partie application mobile, mais pas seulement. On est en train aussi de faire évoluer notre modèle économique, puisque voilà, pour chaque étape de développement de la société, il y a une remise en question aussi de son modèle et une mise à jour de son modèle. Donc on est en pleine réflexion sur tout ça. Donc on est en levée de fonds, recherche des fonds. Une levée de fonds de quel montant? 300 000 euros. Oui. Et là, on est en conversation déjà avec certains investisseurs. On va mobiliser la BPI de nouveau. Bien sûr. Qu'on espère être notre partenaire sur cette action-là. Et puis aussi des réseaux bancaires, peut-être comme Réseau Entreprendre, Initiative. Ça fait partie des réseaux qu'on va solliciter. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez créé en 2019 et que vous avez déjà ces 13 poulaillers, c'est que
Donc ça marche. Oui, parce que c'est pas trop compliqué de convaincre les personnes qui. Enfin, vous dites que c'est elles qui viennent à vous. Oui, nous, c'est plus. Pour l'instant, notre clientèle s'est faite comme ça. C'est plus les personnes qui viennent à nous. Aujourd'hui, on a une belle clientèle. On a Carrefour comme client, on a le marché de Rungis, on a là, le Parc des Princes prochainement. Oui, donc des grands comptes. Oui, on est assez. Enfin, c'est assez flatteur pour nous. À ce niveau-là, après, on était dans une phase de développement classique d'une entreprise qui vient de démarrer. En 2020, on était en train de, les trois mois avant le Covid, on avait réalisé le même chiffre d'affaires que l'année d'avant, 6 mois. Donc c'était encourageant, malheureusement, avec le Covid, comme la plupart. Mais bon, en même temps, on sait que ça reprendra très fort une fois que le Covid sera passé. Oui. On le souhaite en tout cas. Oui. Alors, hier, j'ai vu que le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, annonçait qu'il voulait dynamiser le secteur des fermes urbaines. Parce que, dit-il, les Français veulent plus de nature en ville. C'est peut-être une annonce qui vous a plu ? Oui, j'encourage. Donc, de toute façon, il n'y a pas de petits mouvements, il n'y a pas de petites initiatives. Et les fermes urbaines, l'idée, ce n'est pas forcément d'avoir des fermes urbaines installées dans toutes les villes, mais c'est de tendre vers l'autonomie, de sensibiliser les gens de manière globale au vivant. Et c'est vrai que plus on est éloigné du vivant, moi, on a conscience en fait de l'impact qu'on peut avoir dans notre quotidien. Et quand on commence à être au contact du vivant, quand on commence à comprendre comment fonctionne le vivant, là, du coup, on commence à remettre en question. On a un autre regard. Exactement. Ouais. Donc, les fermes urbaines, le bien-être des animaux respecté, moi, j'encourage à fond ce genre d'initiative. Je trouve que c'est. On a besoin. Oui, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon point pour votre entreprise. Effectivement. Merci Aurélie Devaux pour ce témoignage. Si on veut vous joindre, que faut-il faire ? Alors, notre site est disponible à www.cocotarium.fr. Voilà. Et aussi, si des personnes, vos cocotariums sont situés donc en Île-de-France, vous pouvez nous donner le nom des villes ? Oui, on a Évry, on a Courbevoie, on a la mairie du 9e, on a dans le 18e à Paris aussi. On a ici à Neuville-sur-Oise, dans le 95. Oui. On a Gossainville aussi. On est à Deauville, on est à Cabourg. J'en oublie encore. Oui, non, bon, c'est, si nos auditeurs sont intéressés, qu'ils puissent se rendre dans un cocotarium. Et on a la vocation de se développer en dehors de l'Île-de-France également. Merci Aurélie, je reviendrai vers vous et nous reparlerons de votre actualité pour Noël. On fait une toute petite pause avant de donner la parole à notre expert en communication. Je l'envoie ou pas ? Je l'envoie, non ? Si tu veux, oui, allez. J'ai mon micro, alors. Ah ben, non, attends. Il est 10h04, l'heure de donner la parole à Étienne Barrier de Unique Production, notre expert en communication, qui a choisi de nous donner des conseils aujourd'hui pour préparer au mieux ses conférences Zoom. Bonjour Étienne, j'espère que vous allez bien. Depuis le premier confinement, ça fait plus de 6 mois, on est plutôt habitué maintenant à le faire, mais je le vois encore régulièrement lors des conférences que je peux donner ou des réunions auxquelles je participe, quelques personnes qui n'ont pas encore forcément tous les codes du Zoom, et surtout le but de cette chronique aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner tous les conseils pour que votre réunion, votre intervention soit la plus remarquable possible. Alors, tout d'abord, avant votre réunion, vérifiez bien en amont que vous avez tous les documents mis à jour, que ce soit la diffusion de votre PowerPoint ou de votre vidéo. C'est vraiment extrêmement important d'avoir à jour et d'être sûr d'avoir les bonnes versions avant votre connexion. Ensuite, je vous propose de vous connecter toujours en avance. Ça peut être 5 minutes en avance, etc. Aurélie, si vous, ça va dans le sens qui de votre... organisez la session, faites-le au moins 10 minutes en avance. Ça vous permettra de vérifier tous les paramètres, audio, vidéo, etc. La connexion aussi Internet, effectivement, c'est important. Et comme ça, vous serez beaucoup plus serein pour pouvoir commencer votre intervention.
D'ailleurs, en parlant de connexion Internet, le mieux, c'est toujours de se connecter grâce à un câble RJ45, un câble Ethernet, plutôt que le Wi-Fi, parce que le Wi-Fi peut avoir tendance à fluctuer, être de plus ou moins en bonne qualité. Donc, si c'est possible, de toujours privilégier une connexion avec un câble. La seconde chose, c'est aussi de faire en sorte que dans votre environnement, que ce soit en télétravail ou au bureau, qu'il y ait le moins de personnes possible connectées sur votre réseau. Effectivement, plus il y aura de personnes qui seront sur votre Wi-Fi par exemple, et plus la connexion va baisser, sera de mauvaise qualité. Et du coup, vous risquez d'être coupé, on risque d'avoir simplement le son, peut-être la vidéo, peut-être pas, etc. Donc ça ne sera pas très agréable pour votre audience. Donc c'est vraiment important de faire en sorte d'en parler à votre entourage. Et si vous avez des enfants adolescents qui sont en train de jouer à des jeux en ligne, demandez-leur de ne pas le faire durant votre intervention. La seconde chose aussi, c'est de pouvoir vous déconnecter complètement de tout votre environnement pour rester concentré sur votre intervention. Et donc pour cela, il vaut mieux mettre son téléphone sur le mode avion et enlever toutes les notifications qui peuvent apparaître sur votre ordinateur. Le but, c'est vraiment d'être concentré sur ce que vous allez faire, sur l'audience qui est devant vous, les speakers, etc. Et de vraiment faire abstraction de tout le reste durant tout le temps de votre intervention. On a ici une importance assez grande qui est donnée au son. Il faut vous mettre à la place, et vous le êtes souvent dans le cas aussi, c'est de pouvoir écouter des interventions où la qualité sonore n'est pas très bonne, et notamment avec des échos, parce que les personnes n'ont pas forcément mis d'écouteurs. Donc vraiment pour la qualité de tous, le mieux, c'est de pouvoir intervenir avec des écouteurs. Généralement, les téléphones ou les ordinateurs vont couper le son qui peut venir, mais ça peut toujours faire un petit écho. Donc le mieux, c'est d'être dans une pièce au calme avec des écouteurs pour avoir la meilleure qualité sonore possible pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous écoutent. Une autre chose importante, c'est de pouvoir s'installer confortablement. Confortablement, ça peut être assis ou debout. Quoi qu'il en soit, essayez d'avoir la chaise qui vous correspond bien, l'ordinateur à la bonne hauteur. Moi, je vous recommande d'avoir la caméra d'ordinateur à peu près à la hauteur des yeux, de faire en sorte de ne pas avoir trop d'espace au-dessus de la tête et d'avoir un fond qui soit le plus neutre possible. Le but, c'est tout d'abord de vous mettre en valeur, évidemment, mais aussi de capter le regard sur votre personne et non pas sur ce qui peut se passer derrière. Autre astuce à ce niveau-là, faites en sorte de prévenir votre entourage pour qu'il n'y ait pas d'aller et venu derrière vous, pour éviter un petit peu qu'on voit vos enfants courir, faire coucou à la caméra, ou une autre personne du service s'arrêter en train d'envoyer un texto, parce qu'il n'aura pas fait attention que vous êtes à ce moment-là en conférence. Une autre chose aussi importante, c'est la lumière. Il faut se dire que les caméras de nos ordinateurs ne sont pas forcément très performantes et du coup elles ont besoin de lumière pour avoir une meilleure qualité. Donc faites en sorte d'être face à une source lumineuse, ça peut être une fenêtre, ça peut être aussi la lampe de votre bureau, bref. Mettez-vous en lumière afin d'avoir une meilleure qualité, ça sera aussi plus agréable pour votre audience. Enfin, pensez également à sourire, que vous soyez en train de parler ou d'écouter. Vous êtes susceptible d'être vu par les gens qui sont autour de vous. Et donc, oubliez votre téléphone portable. On l'a déjà dit tout à l'heure, le mieux, c'est de le mettre en mode avion. Souriez et ayez l'air concentré, d'écouter vraiment ce qui se passe. Ça vous mettra aussi en valeur par rapport à votre comportement. C'est toujours plus agréable de voir quelqu'un qui écoute plutôt qu'il est en train de lire ses mails ou autre. Et enfin, essayez de ne pas couper la parole. Comme c'est vrai aussi lors d'une conférence en physique, le plus important, c'est de pouvoir couper le son de son micro lorsque l'on ne parle pas et ensuite de prendre la parole en activant le son de son micro. Ça évitera donc de se couper et ça sera donc beaucoup plus agréable pour les personnes qui écoutent la conférence de ne pas avoir les intervenants qui se coupent la parole constamment. Voilà, j'espère que ces petits tips vous auront aidé pour améliorer et faire en sorte de vraiment briller lors de vos interventions, lors de conférences, lors de webinaires, etc. Sur les plateformes type Zoom, Teams, etc. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en communication et marketing. Merci Étienne, à nous de briller désormais alors pour ces visios. À la semaine prochaine.
de ma bougie que tout à l'heure. C'est une balade sucrée. Après CDC. Non, ça change. Ça change de CDC. Du coup, Aurélie, vous avez essayé de donner des fonds vers les structures qui plébiscitent les sociétés solidaires. Sociale et solidaire. Moi, j'ai une subvention avec la BPI enfin, pour payer mon éducateur. Ouais. Sinon, non, j'ai pas eu de. Il y a des fonds, ouais, pas beaucoup. Ouais, en fait, franchement, quand j'ai commencé à regarder toutes les aides qui existaient, moi, je rentrais dans plein de cases, mais le fait que je rentrais dans d'autres cases, Donc, au final, fait que tu peux pas rentrer. Exactement, exactement. Ouais, ouais, c'est... Et je me suis arraché les cheveux. Mais à tous les niveaux dans donc, ce projet. Donc là, oui. Vous avez plutôt les mains, les structures qui financent les entreprises en. Ouais, en là, je vais faire comme attends, un deuxième. Mais franchement, c'est compliqué. Enfin, moi, déjà, le concept en lui-même, c'est pas tout bête. Mais le ministère de l'Agriculture me disait il ne donnera jamais d'autorisation sur la vie. Ah oui. Ouais. Parce qu'en fait, l'industrie agroalimentaire a tellement restreint ses réglementations. Ouais. Par exemple, la crise de la vache folle, en fait, depuis, on n'a plus le droit de donner des déchets aux animaux, des déchets alimentaires aux animaux. D'accord. Des déchets d'origine animale. Oui, et du coup, moi, il m'avait dit que le fait que. Attention. Continue tout à l'heure. On continue tout à l'heure. Radio IDFM, nous sommes de retour au bar de l'économie. Et avec moi ce matin, Aurélie Deroux, fondatrice et présidente de Cocotarium, Thomas Binal, cofondateur et directeur général de Monetivia, et Rachel Burban, présidente de Best Diag Imo. Merci Thomas Binal d'être également présent au bar de l'économie. Ben c'est moi qui vous remercie, Jacqueline. Vous avez créé Monetivia en 2015, une start-up spécialisée dans l'immobilier, qui a lancé une solution inspirée du viager, comme je le disais en préambule, mais jugée selon vous bien plus intéressante que la vente en viager. Alors, avant de développer ce nouveau concept, je vous pose la même question qu'à Aurélie. Quel est votre parcours, Thomas, avant d'avoir créé Monetivia? Alors, moi, j'ai un parcours assez classique de formation école de commerce. Oui. Et puis après, j'ai fait des gammes, entre guillemets, dans plusieurs grosses entreprises. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens... ça serait peut-être pas mal d'essayer de faire quelque chose de mes 10 doigts tout seul. Et du coup, j'ai refait une formation à l'âge de 36 ans. Et j'ai fait un MBA à l'étranger. Et ça m'a fait prendre conscience en fait, du fait que ce que j'avais envie de tenter, c'était de créer, entre guillemets, quelque chose à moi. D'accord. Et donc, ensuite, voilà, j'ai vogué sur différents projets de création d'entreprise avant de bâtir mon étudiant. Oui, j'ai vu ça, que vous n'en étiez pas à votre premier coup d'essai, que vous étiez plutôt intéressé par les stratégies inédites, hein, qu'on appelle disruptives, c'est ça? Oui, en tout cas, je me suis passionné effectivement pour plusieurs innovations ou idées nouvelles dans l'immobilier. Et voilà, on va dire que la première a échoué, la deuxième était plus réussie, mais... Ne laissez pas ne vous totalement satisfaire. Ça. Voilà, oui. Et donc la troisième est la bonne. D'accord. Alors, expliquez-nous ce concept qu'a créé par Monetivia. Oui, alors on s'adresse, on propose une solution aux personnes de plus de 70 ans qui sont propriétaires d'un bien immobilier. Mm-hmm. Il faut savoir que cette population est massivement propriétaire, hein, oui. Sur la France, c'est à peu près 75% de détention de la résidence principale. Donc c'est un pourcentage très haut. Et du coup, en fait, Monetivia est né de deux constats. Le premier, c'était de se dire que, du coup, il y avait une épargne colossale stockée en immobilier pour ces gens-là, pour les plus de 70 ans, puisque, par ailleurs, ils ont surfé sur des sites immobiliers très, très solides. Alors, pas partout, mais il y a beaucoup de régions, voilà, notamment la région parisienne, où l'immobilier s'est énormément apprécié. Donc, si vous êtes propriétaire d'un bien, bah, vous avez tout de suite un capital, patrimoine qui vaut quand même plusieurs centaines de milliers d'euros assez vite, donc c'est pas rien. Donc ça, c'était le premier constat, de se dire comment on peut mettre cette épargne, qui est finalement la plus belle épargne retraite de cette génération, au service de leurs projets divers et variés.
Et le deuxième constat qui a présidé un peu à la naissance de Monetivia, c'était de voir que la vente en viager ne faisait pas du tout l'affaire, entre guillemets, ou en tout cas ne correspond pas aux besoins d'une grande partie de, il y a plus de 70 ans. On a d'ailleurs fait un peu plus tard, c'est-à-dire cette année, un grand sondage avec Opinionway sur 1000 seniors de plus de 70 ans en France. Et ils ont massivement dit en fait que effectivement la vente engagée c'était pas la panacée. On a sorti un chiffre pour nous très intéressant. Si vous interrogez les plus de 70 ans sur êtes-vous prêt à vendre votre bien engagé, alors on parle des propriétaires évidemment. Oui. Ceux qui n'ont pas d'enfants, pas de grands-enfants, hein, mais enfants, oui. Des héritiers. Des héritiers, voilà, des héritiers directs. Ceux qui n'en ont pas disent oui. Oui, nous sommes prêts à vendre notre bien engagé à 48%. C'est pas mal, hein, ça fait presque la moitié. Et par contre, ce chiffre tombe à 15% seulement pour ceux qui ont des enfants, des héritiers directs. Mmh. Et il faut savoir que 80% des seniors ont des héritiers directs. Et donc voilà, c'est un peu ce constat qu'il y avait un problème, entre guillemets, sur ce marché de ce qu'on a appelé la monétisation des biens immobiliers, qui est née l'idée de faire mieux que la vente en viager. Alors comment on fait mieux? Tout simplement en traitant, j'ai envie de dire, les deux défauts, entre guillemets, pour nous du viager. Alors, c'est un mot un peu fort, mais le problème du viager, c'est que quand vous vendez votre bien, vous prenez évidemment un risque financier. C'est-à-dire que si vous avez un bien qui vaut 300 000 euros, par exemple, et que vous le vendez en viager, vous n'êtes pas du tout sûr de le vendre à 300 000 euros. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un aléa, c'est votre durée de vie, et donc la durée pendant laquelle vous allez rester chez vous. Or, au cœur de ces calculs, il y a une décote qui correspond au fait que l'acheteur part du principe que vous allez rester X années chez vous, c'est valorisé et c'est soustrait de la valeur du bien au départ. Bien sûr. Et donc évidemment, si vous restez moins longtemps, c'est mathématique, vous vendrez votre bien plutôt pas très bien. Premier défaut, risque financier, qui est vraiment un problème pour ceux qui ont des héritiers directs, parce que même s'ils n'ont pas vocation à transmettre un bien immobilier précis, parce que les enfants ne vont pas forcément avoir besoin de s'en servir. Et quand vous avez des enfants, vous avez tendance quand même à souhaiter que votre patrimoine, tout ce qui n'aura pas été consommé, soit transmis, bien sûr. Sous une forme ou sous une autre. Et donc, on retrouve là la réaction des 85% qui disent « moi, je ne vois pas trop, on en vient déjà, quoi, ceux qui ont des enfants ». Et puis, deuxième défaut, ça vous le connaissez, tout le monde le connaît, c'est le problème de, j'ai envie de dire, en moral, c'est un grand mot, mais c'est le problème du fait qu'en viager, vous avez un acheteur qui va gagner beaucoup d'argent si vous décédez rapidement. C'est ça, qui parie sur la mort. Voilà, c'est pari sur la mort, c'est moyennement agréable pour beaucoup de gens, sans aller à dire que c'est moralement répréhensible. Bon, ça, c'est pas forcément aller sur le terrain de la morale ce matin, mais ça pose problème. Voilà. Mm-hmm. Et donc l'idée, ça a été tout simplement de bâtir une solution qu'on a appelée la vente à prix ajusté, qui pallie ces deux défauts. Et qui fait que on offre aux seniors la possibilité de monétiser leurs biens sans prendre le risque de le brader, parce que si justement ils restent pas dans leurs biens aussi longtemps que ce qu'on avait pris comme hypothèse pour les calculs, on va indemniser la succession. Donc on a une valeur qui est mieux distribuée, quel que soit le scénario de longévité du vendeur. Et puis deuxième avantage de cette solution. On a un acheteur qui s'intéresse pas du tout, qui n'est pas du tout intéressé au décès du vendeur, parce que économiquement, on a structuré la solution pour que, quel que soit le moment où il récupérera le bien, économiquement, pour qu'il n'y ait pas une échéance à attendre. Il n'y a pas d'incitation pour l'acheteur à ce que ça dure le moins longtemps possible. Au contraire, et c'est là où on essaye de communiquer sur le pari sur la vie. Au contraire, on va trouver des investisseurs qui espèrent que ça va durer le temps qu'on leur communique, le temps sur lequel la transaction est structurée. D'accord. Alors, ce concept, est-ce qu'il est vraiment né de votre réflexion, ce que vous venez de nous expliquer, ou il existe ailleurs et vous l'avez adapté en conséquence? Alors, il n'existait pas ailleurs, mais cette notion de... Enfin, en réalité, non, il n'existait pas comme ça, mais l'idée derrière, c'est tout bête, c'est de dire que le prix de votre bien, à partir du moment où vous restez dedans, doit nécessairement être lié, corrélé à la durée pendant laquelle vous allez rester dedans. En fait, l'idée qui est derrière, c'est tout simplement l'équation locative. C'est-à-dire que vous achetez
un bien pour mettre un locataire dedans, vous attendez un revenu. Bon, bah, inversement, si vous achetez un bien dans lequel il y a déjà un locataire, entre guillemets, qui ne vous paye pas le loyer, bah, il faut que vous payiez le prix du bien pile poil, correspondant au nombre d'années pendant lequel vous n'allez pas avoir de loyer, puisque le vendeur reste chez lui. Hein. C'est donc c'est tout simplement l'économie traditionnelle de l'immobilier, ou bâti sur du revenu locatif, que vous percevez ou pas, mais qui doit être reflété dans le prix de la transaction. Oui, alors ça fait quand même appel à des calculs actuariels compliqués, j'imagine. Alors effectivement, là, vous avez peut-être l'impression que c'est technique, parce qu'on est rentré un peu dans le détail, donc c'est un peu le danger, mais non, c'est assez simple. En réalité, vous avez deux paramètres essentiels qui sont effectivement quelle est la valeur du bien aujourd'hui, hein, puisque si on aide les propriétaires à vendre un bien, il faut déjà déterminer sa valeur aujourd'hui. Et puis ensuite, effectivement, on a simplement un calcul basé sur les loyers qui consiste à dire, bah, si on prend l'hypothèse que vous allez rester chez vous 15 ans, qu'est-ce que ça vaut de rester 15 ans chez vous? Et ça, avec des loyers, voilà, on arrive avec un modèle assez simple, en projetant des loyers dans le futur, à déterminer une valeur actualisée aujourd'hui. Donc on est là dans la solution de la nue propriété, de l'usufruit, c'est ça? Oui, absolument. Juridiquement, c'est bâti sur le démembrement de propriété, c'est-à-dire que le vendeur senior va vendre la nue propriété de son bien, conserver un usufruit au départ temporaire, qui va être la durée sur laquelle on va raisonner pour bâtir le prix. Et puis, le temps, cette durée moyenne, elle est de combien? Alors évidemment, vous imaginez bien que ça dépend de son âge, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui va avoir 83 ans, on va partir sur 10 ans, mais sur quelqu'un qui va avoir 70 ans, on va plutôt partir sur 22 ans, enfin voilà, ça dépend de son âge. Mais quoi qu'il en soit, derrière, c'est toujours le même calcul, c'est-à-dire qu'on définit une durée d'usage programmée sur laquelle on raisonne, et puis ensuite, on va ajuster le prix dans le futur en fonction de ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire que si on a construit un prix sur, au départ, une hypothèse de 20 ans, bah on va ajuster le prix si la personne reste moins longtemps, en demandant à l'acheteur de payer davantage aux enfants, en cas de décès, et puis inversement, si ça dure plus longtemps, bah on va ajuster le prix d'une autre façon, on va demander à un assureur, cette fois, d'indemniser l'acheteur, qui va être, en réalité, dans une position d'attente un peu plus longue que ce qu'on lui avait vendu au départ. Alors justement, vous tendez la perche, puisque si le vendeur disparaît plus rapidement, est-ce que cette transaction ne peut pas être mise en cause par les héritiers? Alors juridiquement non, puisque vous avez un vendeur au départ qui est propriétaire, donc qui s'est engagé dans une vente via un acte notarié. Donc oui, mais avec une décote. Alors donc, le transfert de propriété, il a été organisé, donc il peut être remis en cause juridiquement, et il va l'être d'autant moins que, si vous voulez, dans notre solution, la plupart du temps, les enfants sont associés à la prise de décision. D'accord. Et puis surtout, en cas de décès, comme je disais, ils sont indemnisés, c'est-à-dire que l'acheteur va verser un second capital à la succession pour indemniser, si vous voulez, la perte qui se produirait sinon. Donc, en réalité, ils comprennent, si on leur explique bien, ils comprennent l'économie de la transaction, et ils comprennent qu'elle est justement juste. Hein, oui. Puisque c'est pour ça aussi qu'on a appelé ça la vente à prix ajusté, c'est-à-dire qu'on va ajuster le prix en fonction de ce qui se réalise, mais au final, l'idée, c'est bien d'avoir un prix juste. Donc, oui. Évidemment, il faut l'expliquer. Oui, parce que ajuster, en même temps, ce n'est pas une notion juridique. Exactement. Il faut l'expliquer, il faut le montrer, et vous avez raison, derrière ce que vous dites, en tout cas, il y a un phénomène qui se produit souvent, c'est comme on n'est pas encore très connu, cette solution n'est c'est pas ça, encore C'est ça, vous n'avez pas de recul. Il peut y avoir un effet de halo qui fait que, vu de l'extérieur, les gens pensent que c'est de la vente engagée. Donc, peut-être, dans certains cas, avoir une perception déformée un petit peu de la solution. Et c'est là où nous, on insiste au départ pour rencontrer, le cas échéant, si possible, les enfants au départ, quand ça va, pour leur expliquer. En général, pour ça, être bien expliqué au départ, ça se peut bien faire. D'accord. Alors, vous nous avez dressé le profil des vendeurs. Quel est le profil des acquéreurs? Alors, le profil des acquéreurs, c'est tout simple. C'est en fait notre cible de clientèle côté acquéreur. Ce sont les 200 à 250 000 Français qui, chaque année, achètent un bien ancien pour mettre un locataire dedans. Hein. Et ceux-là, on leur dit, réfléchissez, parce qu'en fait, mettre un locataire dans un bien, c'est intéressant, mais c'est beaucoup de contraintes. C'est beaucoup de risques. En tout cas, il y a des risques. Une crise comme aujourd'hui, on va sûrement avoir des problèmes sur les revenus locatifs. Et puis fiscalement, selon votre situation personnelle,
ça peut aboutir au fait qu'une bonne partie des loyers disparaissent dans la poche de l'État. Alors pourquoi pas, mais voilà, la nue propriété en définitive est une façon d'investir en immobilier un peu plus sécurisée et un peu plus performante en termes de rentabilité que l'investissement locatif. Ça n'a rien de mirobolant, hein, contrairement justement au viager où vous pouvez faire une, j'ai envie de dire, quasiment l'affaire du siècle en cas de décès rapide du vendeur. Voilà, la nue propriété, c'est pas ça, mais c'est simplement un peu plus un peu plus voilà, rentable et moins risqué qu'un investissement locatif. Et ceux qui ont une expérience locative, après 5, 10 ou 15 ans de locatif, souvent, effectivement, ont été confrontés à des problèmes et viennent un peu naturellement à la nue propriété. Mmh. Est-ce qu'il y a une moyenne d'âge que vous préconisez pour ces acquéreurs? Pour les acquéreurs, bah, oui. Pour les acquéreurs, on est sur des acquéreurs qui font un geste d'épargne long terme. Donc, c'est ça. Bon, évidemment, vous n'allez pas investir dans la nue propriété à 25 ans. À 25 ans, vous allez d'abord acheter votre toit et puis peut-être que vous allez faire un premier investissement locatif parce que au moins vous comprenez très bien ce que vous faites et puis vous n'êtes peut-être pas encore trop fiscalisé. Nous, on est sur une cible du coup peut-être un peu plus sophistiquée, sans être non plus extrêmement sophistiqué, mais on est entre, vous voyez, 35 et 65 ans. D'accord. Pour bâtir de l'épargne retraite ou pour constituer du patrimoine familial que derrière vous allez aussi donner aux enfants et voilà, pour l'épargne familiale. Oui. Et alors, fiscalement, vous l'avez évoqué là rapidement, quels sont les avantages? Quels sont les avantages? Si vous voulez, fiscalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, quand on fait les calculs, puisqu'on est rentré il y a 5 minutes un peu dans les calculs, on base les calculs sur des loyers. Oui. Et on base les calculs sur des loyers de marché, hein, avant que le fisc se serve, ce que j'ai envie d'appeler des loyers bruts. Et donc, pour l'acheteur, finalement, investir en une propriété, ça revient à encaisser des loyers sous forme de réduction de prix. Et donc, comme vous n'avez pas de revenus versés et perçus, mais une simple réduction de prix à l'entrée, bah, vous n'avez pas de fiscalité sur ces revenus. D'accord. Et pour être complet, la boucle est bouclée, puisque derrière, si jamais vous revendez un jour votre bien à qui en est propriété, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Plus tard, eh bien, le fisc ne va pas aller le calcul de la plus-value ne prendra pas en compte la décote au départ. Donc, si je prends un exemple, vous avez acheté un bien peut-être aujourd'hui, 150 000 euros qui en vaut 250 000 parce que justement, il va être occupé pendant un certain temps. Si vous le revendez 300 000 euros dans 25 ans, après on est devenu plein propriétaire, bah, vous ne serez pas fiscalisé sur les 250 000 euros de départ. Vous serez fiscalisé au-dessus. Donc, c'est vraiment une façon de percevoir des loyers sous forme de réduction de prix et donc sans fiscalité. Alors après, bon, il y a des inconvénients aussi, c'est-à-dire que vous êtes dans une démarche beaucoup plus engageante de long terme. Bien sûr, hein, donc bien c'est sûr. Moins flexible que l'investissement locatif, où là, vous pouvez, un investissement locatif, vous pouvez le revendre demain avec votre locataire dans votre bien. Donc c'est pas la même temporalité, mais pour des gens voilà, qui raisonnent très long terme, ce qui en général est le cas dans l'immobilier, hein, on en parlera tout à l'heure peut-être quand on parlera de diagnostic, mais l'immobilier et l'investissement immobilier n'est pas recommandé à court terme, parce que vous avez déjà des coûts de frottement importants. Et puis, si vous avez en plus de la dette, vous avez bâti un projet sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que ce nouveau concept qu'offre Monetivia séduit beaucoup de clients? Écoutez, ce qu'on est ravis de voir, en tout cas, c'est que viennent à nous effectivement des clients qui n'auraient jamais vendu en viager. Disent en fait. Donc cela, ce qui nous satisfait, c'est de voir qu'on leur offre une solution qu'ils n'avaient pas en fait, hein, en pratique. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette solution en fait, répond derrière à beaucoup de besoins très très différents. Parce que à partir du moment où vous rendez possible cet arbitrage patrimonial, en réalité, vous pouvez répondre à beaucoup de besoins très différents. Ça peut être évidemment fabriquer du revenu parce que les retraites souffrent depuis des années, mais ça peut être surtout anticiper la transmission, aider vos enfants aujourd'hui, en leur donnant des liquidités plutôt qu'en leur donnant justement de la nue propriété, ce qui était un peu le schéma. Préconisé par tous les notaires et les conseillers en gestion de patrimoine. Mais c'est aussi financer la dépendance du conjoint qui doit partir en EHPAD, c'est aussi financer les études des petits-enfants. On entend énormément de choses très diverses sur la palette des motivations et c'est ça qui nous satisfait, c'est de rendre possible en réalité derrière des projets. Oui, qui vous rend confiant pour l'avenir. Et puis effectivement, on a aujourd'hui derrière nous un peu plus de quasiment une centaine de transactions maintenant, et donc on voit que ça marche, on voit que les notaires s'approprient aussi
le modèle, entre guillemets. On voit que les conseillers en gestion de patrimoine le recommandent. Donc, bon, pour nous, c'est une démarche à 10 ans, voire 20 ans. C'est-à-dire pour lancer une solution comme ça, et avec l'ambition d'en faire une solution nationale. Ça ne se fait pas en 3 ans. On a bien avancé, mais il reste énormément de chemin devant nous pour les 10 ans ou 40 ans. Ouais. Alors, dernière question, Thomas Abinal, comment vous rémunérez-vous? Alors, on se rémunère de façon très classique dans l'immobilier en prenant des honoraires de transaction lors de la transaction, c'est-à-dire que tout le travail qu'on fait en amont n'est rémunéré que si on trouve un acheteur pour lequel le vendeur, enfin, aux conditions que le vendeur nous a demandé à établir au départ dans le mandat de vente. D'accord. Merci Thomas Abinal. Si des auditeurs veulent vous contacter, que doivent-ils faire? Alors je vais faire comme Aurélie, je vais citer notre site web parce que c'est ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui. Oui. Donc c'est www.monetivia.com. Voilà. Très bien. Et écoutez, avant de nous quitter, on évoquera le marché immobilier qui, je crois, est plutôt en baisse et on pourra en parler aussi avec Rachel. On fait juste une toute petite pause. J'aurais appris des choses, c'est bien. Ah non, c'est bien. Tu apprends, on a formé des auditeurs. Oui, oui. Radio IDFM, le bar de l'économie. Donc, je suis toujours en compagnie de Aurélie Deroux, fondatrice et présidente de Cocotarium, Thomas Abinal, cofondateur et directeur général de Monetivia, et Rachel Burban, présidente de Best Diag Imo. Rachel, c'est votre tour. Bonjour. Bonjour. Alors, nous ne quittons pas l'immobilier, on vient de le dire, puisque nous allons aborder tout ce qui concerne les diagnostics dans ce secteur, donc plomb, gaz, électricité, amiante, pollution, termites, mesurage carré et boutin. Votre cabinet est récent, je crois, Rachel. Quand avez-vous créé? Alors, tout à fait. Nous avons créé avec mon associé, donc Stéphane Souchaud, le cabinet donc en décembre 2018. Oui. Et on a démarré véritablement donc en février 2019, donc ça fait quelques... Et vous avez toujours été dans ce secteur, Rachel? Absolument pas. Non? C'était une reconversion? Absolument, oui, tout à fait. Alors, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Je dirigeais des filiales pour les groupes allemands et hollandais. D'accord. En France. Et particulièrement donc, dans les domaines des montées-escaliers. Donc, et élévateur également. C'est tout à fait autre chose. Très différent, mais il y a quand même un point commun en définitive. D'accord, c'est le cas. L'humain, oui. On va en parler plus longuement. Donc, vous êtes situé à Montmagny et dites-nous rapidement en quoi consiste votre activité. Alors, déjà, donc, on s'est installé. Il y avait un vrai projet derrière, c'était de se dire. Où on s'installe, tout bêtement. Et moi, je souhaitais particulièrement qu'on soit dans un environnement, alors non pas un incubateur comme ma voisine, mais au final, c'est assez similaire, se retrouver en pépinière d'entreprise. Oui. Je trouvais le principe très sympa, innovant, mais surtout convivial. Et je pense que quand on crée une entreprise, eh bien, on a des problématiques qui, en définitive, quel que soit son domaine d'activité, il y a des vrais points communs à tous ces créateurs d'entreprises, à la fois des problèmes, mais aussi des solutions. Et je trouvais ça vraiment une idée très, très sympa d'être intégré dans une pépinière. Et d'où le choix, en effet, de la pépinière de Montmagny, habitant dans le 95, et puis son environnement très, très bien situé, puisque cette pépinière se trouve à 3 minutes à pied de la gare d'Épinal-Villetaneuse, c'est-à-dire 10 minutes de Paris. Donc voilà, c'était déjà l'implantation, la raison de l'implantation. D'accord. Et un espace qui est vraiment sympathique, agréable, tant pour les clients qui peuvent bien sûr venir nous voir, que ce qui est organisé au sein de la pépinière, bien évidemment. Voilà. Oui, parce qu'il faut rappeler que ces diagnostics sont obligatoires, ils sont à la charge du vendeur et ont pour but d'apporter des preuves réalistes de la valeur du bien au futur acquéreur, c'est bien ça? Alors, tout à fait, donc... On connaît sans connaître en réalité. Ouais. La problématique, elle est là. Quand on achète un bien, bien évidemment quand on le loue, c'est similaire, mais quand on achète un bien, donc l'acheteur donc, reçoit, donc on lui remet un dossier technique. Un dossier technique de diagnostic qui comporte en effet, selon
la date de construction du permis de construire du bien, un certain nombre de diagnostics dits obligatoires. Mmh. Il peut s'agir pour un bien d'avant 48, notamment du diagnostic plomb, c'est-à-dire le plomb dans les peintures, oui. qui est un vrai problème de santé publique, selon les taux, évidemment, qu'on peut relever. Et puis après, ça peut être de l'amiante également, selon la date de permis de construire, avant 1997, le mesurage CARES, etc., etc. Et le fameux, bien sûr, DPE, le diagnostic de performance énergétique. Mmh. Donc, un ensemble de diagnostics mmh. qui est établi. Mais le vrai problème qui se pose, et selon moi, c'est tout simplement le fait que c'est en effet, comme vous disiez Jacqueline, le vendeur oui. qui mandate le cabinet, alors le vendeur ou l'agent immobilier, mmh. Qui mandate le cabinet de diagnostic pour les réaliser. Et selon moi, il y a hiatus. Parce que le but de ces, en effet, de ces diagnostics, c'est de sécuriser, donc au final, l'achat, la transaction, en montrant via ces diagnostics quel est l'état de ce fameux bien. Oui. S'il y a des problèmes, des anomalies, etc., etc. Or, je dis bien, sachant que, soyons clairs, l'intérêt d'un vendeur n'est pas forcément le même que l'intérêt de l'acheteur. À savoir que, quand un rapport de diagnostic fait mention, et c'est normal, je précise, d'anomalie, je vais en citer très simplement hein, pour illustrer mon propos, un diagnostic électrique, on va dire, on est censé réaliser plus de 70 points de contrôle oui. lors d'un diagnostic. Donc, on va évidemment ouvrir tout simplement, déjà commençons par ouvrir le compteur, procéder à des coupures régulières du courant pendant ce diagnostic électrique, et puis bien sûr mesurer la terre, etc., etc. Quand on connaît, quand on apprend donc un certain nombre, un grand nombre même, de diagnostics électriques, et bien certains, et un grand nombre, je le répète, de diagnostiqueurs n'ouvrent même pas le compteur électrique. Le sujet, vous comprenez, je pense, que l'acheteur, ben voilà, regarde son diagnostic et puis, et on va dire, fait confiance, c'est normal. Et le problème intervient, évidemment, quand on commence à habiter dans les lieux. Oui, après, il y a quand même des recours dans ce cas-là. Alors, voilà, il y a des recours, et des recours d'ailleurs qui ont lieu, et je trouve que c'est très bien. C'est l'information qui est, le web notamment était un grand facteur d'information et au final de protection, parce que ça permet tout simplement à tout un chacun de vérifier des choses et d'entamer si nécessaire en effet une démarche, car n'oublions pas que l'acheteur, on va dire notamment sur des problèmes aussi de mesurage, parce que qui dit mesurage, erreur de mesurage CARES, alors la loi est très claire, il est toujours bon de la rappeler aux auditeurs notamment, c'est que toute erreur inférieure ou égale jusqu'à 5%, on va dire, ne peut pas être entre guillemets contestée. Voilà. Mais au-delà de 5% d'erreur, donc c'est-à-dire un métrage en fin de compte qui est supérieur à la réalité, oui. plus de 5%, donc, eh bien, l'acheteur, l'acquéreur, peut en effet tout à fait engager une procédure. Et donc, il engage d'abord une procédure contre qui ? Contre le vendeur. Bien sûr, oui. Et ensuite, le vendeur, évidemment, se retournera donc auprès de du diagnostiqueur qui fera fonctionner, bien sûr, sa responsabilité civile, d'où l'importance, en effet, de la chose. Mais au niveau du tribunal d'instance, c'est bien le vendeur qui est donc attaqué en première ligne. Cause. Oui, exactement, nous ne l'oublions pas, tout à fait. Alors Rachel, aujourd'hui, vous vouliez nous parler plus précisément du DPE, le diagnostic de performance énergétique, et aussi de la précarité énergétique qui, je pense, sont liées l'un à l'autre. Complètement. Donc déjà, on va dire, tout est lié aussi au Grenelle de l'environnement. C'est parti, de ce point, de ce point-là précisément, en se disant il y a des soucis. Alors, ils sont nombreux. Hein. On va se focaliser aujourd'hui sur les problèmes, on va dire, d'énergie
on va dire du logement, des logements, mais il est clair que c'est un ensemble de choses. C'est bien entendu, comme on en parle régulièrement et on entend parler de plus en plus fréquemment, la pollution de l'air, etc., etc. Mais on va dire que c'est quelque chose de global. Et l'immobilier est un élément. Le bien immobilier est énergivore aussi. Donc, on va dire, partant de là, oui, en effet, il y a cette problématique. Alors, le DPE va être modifié, appliqué l'année prochaine. Donc, en 2021, juillet pour être précise. Mais ça va démarrer dès le début d'année parce qu'il y a les logiciels à mettre au point, les vérifications, etc. Mais à partir de juillet 2021, modification de ce DPE. Ça veut dire quoi? Alors, les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, parce que je voudrais parler de votre offre promotionnelle. Donc, dites-nous rapidement. Oui. Et l'intérêt, voilà, c'est de dire qu'il y a actuellement deux types, on va dire, de méthodes appliquées, et ces deux méthodes diffèrent selon l'année de construction du bien. Pour résumer, donc vous avez un bien donc avant 1949, ou un bien avec un chauffage collectif, donc deux cas de figure, avant 49 en construction ou chauffage collectif, votre DPE, donc votre diagnostic de performance énergétique, se fera sur l'établissement de vos factures ou de votre relevé de charge, notamment concernant le chauffage ou l'eau chaude sanitaire. Quand le bien est construit, donc le permis de construire délivré après 1949, donc eh bien là, c'est la méthode dite conventionnelle, les trois CLL. Et là, cette méthode conventionnelle, elle prend en compte, eh bien écoutez, l'habitat véritablement, c'est-à-dire son exposition, si en effet on a quel type d'isolant, enfin, etc., etc. Donc des points très précis. Et au final, ce nouveau DPE va se rapprocher beaucoup plus de cette méthode dite conventionnelle et il n'y aura plus la prise en compte des consommations d'énergie liées aux factures ou aux relevés de charge. Mais le but de tout ça, et on y vient, c'est au final de faire en sorte que les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, donc effectuent les améliorations, les travaux de rénovation énergétique, in fine, pour que justement, pour éviter tous ces logements dits énergivores. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit énergivore? Eh bien, ça veut dire des factures d'énergie très lourdes. Alors, c'est très mauvais pour le porte-monnaie, soyons très clairs, hein, Jacqueline. Très mauvais, parce que ces factures, on les paie. Et c'est également mauvais pour la planète. Bien sûr. Parce que selon la méthode, en effet, et selon l'énergie, on va dire, retenue, de toute façon, ça a un impact. Chacun a un impact écologique. Voilà. Un petit résumé. Forcément. Alors vous êtes dans un secteur quand même très concurrentiel et votre valeur ajoutée, c'est justement pour ce DPE de posséder une caméra thermique. C'est bien ça ? Oui, tout à fait, entre autres. Ben là encore, on est parti de l'idée à la création de l'entreprise, moi venant du monde de l'industrie, qu'il y a une grosse évolution technologique, quels que soient les domaines, mais c'est vrai, et l'industrie en fait partie largement. Et que nous souhaitons, mon associé et moi-même, mettre à profit vraiment à la fois de compétences liées au matériel qu'on utiliser et notre connaissance du particulier également, et du B2B et du B2C, mais notamment du particulier. Et on s'est rendu compte que les personnes manquent cruellement, bien souvent, d'informations, mais vraiment. Donc il y a le web, oui, faut-il savoir quelle information demander et surtout faire le tri dans toutes ces informations. Je crois que c'est la problématique en général de toute façon. C'est de savoir faire le tri et avoir l'information juste. Et ce n'est pas toujours simple. Donc, en effet, pour répondre à la chose, oui, on s'est doté d'outils performants, extrêmement performants et formés à cet effet. Et on utilise en effet une caméra thermique. Alors, c'est quoi une caméra thermique? Eh bien, c'est une caméra qui fonctionne par infrarouge et qui permet de déceler dans un habitat, une maison ou un appartement, c'est particulièrement intéressant pour les maisons, ça permet de déceler les zones dites déperditives.
Et comment le voit-on et comment le montre-t-on? Et alors, il faut, on va dire, il faut essayer de faire le plus possible cette thermographie dès que les températures baissent. Mm-hmm. Pourquoi? Pour qu'il y ait une vraie différence entre l'air extérieur et l'air intérieur. D'accord. Et cette thermographie donc permet de déceler et de trouver différentes choses. Mm-hmm. À savoir, évidemment, les zones déperditives. Je vais prendre un exemple très simple. Vous pouvez avoir une fenêtre de toit, donc entre guillemets, je ne vais pas citer la marque, mais qui s'ouvre en tirant, voilà. Mmh. Et puis vous dire, il y a un double vitrage. Bon, c'est bien, je suis content, j'ai un double vitrage. Ça ne se voit pas à l'œil nu, et la caméra thermique permet, via les couleurs qui vont apparaître, hein, je le dis de façon très schématique, vous allez voir si en gros si c'est tout bleu ou tout violet, ça veut dire que vous avez en effet une déperdition, une zone très froide. Qui apparaît, et donc ça veut dire que, par exemple... Oui, c'est imparable, en fait. Oui, imparable. Alors, vous avez une offre à faire à nos auditeurs, une offre promotionnelle du 15 au 21 décembre. Je vous laisse l'exprimer. Alors oui, donc on a décidé, parce que là encore, toujours par rapport à cette vraie problématique des logements énergivores, hein, c'est bien, il y a des... L'éco-prêt, il faudra qu'on, si on a le temps d'en parler, ça serait formidable, mais peut-être pas. Je ne crois pas, parce que je voudrais donner la parole encore à Aurélie et Thomas. Mais bien sûr, alors, je vous en prie. Donc, en l'occurrence, cette thermographie, on a décidé donc, de faire une offre exceptionnelle à 230 € pour faire, particulièrement, et pour les maisons, j'entends, parce que c'est le vrai problème qui concerne surtout les maisons, de faire en effet ce fameux diagnostic thermique, thermographique, mm-hmm. qui va permettre concrètement de vérifier tous les points dans mm-hmm. l'habitat qui sont en effet extrêmement déperditifs. Et donc de voir tout simplement un mur mal isolé, quelles sont les solutions. Mm-hmm. En effet, voir tout simplement, on va pouvoir déterminer qu'un vitrage n'est pas adapté, voir des bouches qui n'apparaissent pas. Là encore, j'insiste bien, des choses que l'on ne voit pas et que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Voilà, donc à 230 €, on pourra exercer ça. Voilà. Merci Aurélie. Alors, Rachel, comment peut-on vous joindre? Eh bien, comment peut-on nous joindre? Alors, bien sûr par téléphone ou sur notre site internet. Donc je vais également, comme mes petits collègues, l'annoncer. C'est le bestdiagimo.com ou par téléphone au 09 74 19 54 65. Voilà, des coordonnées qui pourront être reprises sur notre vidéo Facebook si vous le souhaitez. Aurélie, merci. Merci Rachel. Aurélie, parce que l'heure tourne et puis voilà, il est déjà 10h48. Vous avez lancé un projet pour Noël, je voudrais que vous nous en disiez deux mots. Oui, c'est... on lance en fait des boîtes pédagogiques, oui. Avec une maquette Cocotarium à construire pour les enfants et un kit en fait de sensibilisation pour que qu'on va distribuer, qu'on aimerait distribuer dans les écoles pour pouvoir sensibiliser les enfants au tri des biodéchets, à la gestion du vivant, à la sensibilisation à la biodiversité, etc. Voilà, c'est d'accord. Une petite box qui existe. Elle est en finition. Oui, exactement, elle est en finition. On la lancera après Noël, exactement. D'accord, oui, donc c'est pas vraiment... À la rentrée. C'est le Covid qui vous a mis un petit peu en retard ou bien c'est d'autres projets non, qui viennent se bousculer. C'est stratégique par rapport au Covid, effectivement, oui. où on se dit que voilà, à la rentrée, on fera ça plus calmement et on veut prendre notre temps pour faire les choses... un beau projet. Voilà, plus... bien posé, que ce soit cohérent, que tout soit bien éco-conçu, oui. Il n'y a pas de soucis, ça prend un peu de temps pour tout ça. Aurélie, j'avais oublié de vous poser une question lors du premier interview. Comment vous rémunérez-vous? Nous, on se rémunère tout simplement sur la vente de nos produits et services. D'accord. Donc, on vend la fourniture et pose du Cocotarium, oui. Avec la livraison de tous les consommables, des poules, les accessoires et tout le kit de nettoyage, d'accord. Également notre formation. D'accord, et puis on vend aussi nos formations, alors on fait des formations lors des installations, mais on fait aussi des ateliers, des animations autour de la biodiversité, la gestion des déchets et puis l'univers. D'accord, ouais. Donc c'est beaucoup de consommables finalement qui reviennent régulièrement. Oui. D'accord. Et puis les ateliers aussi, c'est oui. Très, ça revient assez souvent aussi. Très bien. Voilà. Merci Aurélie. Merci à vous.
Thomas Binal, je crois que vous avez des offres d'emploi à nous proposer. Ah oui, absolument, c'est vrai. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. On cherche aujourd'hui des consultants, ce qu'on appelle des consultants, sur Paris, Porto. C'est-à-dire des conseillers qui vont aider à les seniors dont je parlais tout à l'heure de plus de 70 ans à bâtir leur projet de vente de propriété avec nous. Donc il faut que ce soit des gens qui, un, aiment l'immobilier, deux, le connaissent, soient capables de valoriser un bien sur Paris, région parisienne notamment, et trois, évidemment, aiment aussi passer du temps et bâtir des relations de confiance avec les plus de 70 ans. Bien sûr. Alors, est-ce que ces diagnostics dont nous a parlé Rachel, vous y faites appel quand vos seniors vendent leurs biens ? Bien sûr, c'est-à-dire que la vente de nos propriétés est avant tout... Malgré ce type de transaction, vous y faites appel ? Oui, bah, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Oui. La loi prescrit que pour une transaction immobilière, quelle que soit sa forme, j'ai envie de dire, l'acheteur puisse être effectivement parfaitement informé sur le bien. Donc, c'est ce que Rachel a expliqué. Alors nous, on fait confiance aux diagnostiqueurs immobiliers, donc on a l'impression qu'il n'y a pas forcément autant de gens que ça qui seraient tentés de manipuler les diagnostics. Vous connaissiez la caméra thermique ? Je connaissais de nom. J'avais déjà vu effectivement ces procédés, et c'est vrai que c'est très intéressant. Je pense que pour l'acheteur, ça va dans le bon sens. Et puis même, indépendamment d'une transaction, d'ailleurs, je pense que également, c'est surtout ça, je pense que c'est aussi ce sur quoi Rachel voulait insister, c'est que si vous avez une maison, ça vaut peut-être le coup d'investir 200 euros pour avoir une idée précise de là où vous perdez finalement de l'argent dans votre chauffage, etc. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'un et l'autre, Rachel et Thomas, vous vouliez nous parler du marché de l'immobilier. Donc, Rachel, si vous voulez nous en dire un petit mot. Oui, alors, nous, le gros de notre activité se fait actuellement avec des particuliers directement qui nous contactent, mais bien évidemment, on travaille également avec quelques agences immobilières dont la philosophie est proche de la nôtre, c'est-à-dire vraiment un travail de qualité et de respect. Et il s'avère que là, selon les remontées, alors ça reste, on va dire, une impression, il va falloir consolider, il y aura des chiffres qui vont sortir. Mais l'impression vraiment, sur Paris intramuros notamment, donc il y a un fléchissement à la fois du volume de vente, alors évidemment impacté par particulièrement cette deuxième vague. D'accord, oui, vous le ressentez. Pourtant, les visites n'étaient pas autorisées lors du premier confinement. Alors, pas, mais la deuxième fois non plus. Les visites n'étaient pas autorisées, les mandats pouvaient se signer pour la deuxième fois. Donc il y a eu une mise à l'arrêt totale de ce marché concrètement lors du premier confinement. Mais on va dire, ça a redémarré, et on sait par les acteurs de l'immobilier, dont nous faisons partie, bien évidemment, ça a redémarré fort, en effet. Et donc, à la sortie du confinement. Là, il s'avère que, même si ce confinement était plus allégé, comme nous savons tous, les conséquences de ce qui se passe, je pense, d'un point de vue économique, depuis, en définitive, le premier confinement, là, l'impact commence à se faire sentir. Donc, clairement. Oui. Donc, une baisse, il semblerait, une baisse des transactions, du volume de transactions, et... Il semblerait, mais avec toute réserve, bien entendu, Jacqueline, qu'il y ait également, ça y est, pour une première fois depuis un certain nombre d'années, au moins depuis 3-4 ans, minimum, on va dire, une tendance à la baisse du prix au mètre carré, sous réserve, bien entendu, de l'année prochaine, des 3 prochains mois, où nous aurons une vue plus proche. Donc une baisse qui semblerait aller vers une baisse. Oui. Une tendance que vous confirmez, Thomas ? Oui, les derniers indicateurs sont clairs. Il y a effectivement un coup d'arrêt sur la hausse des prix, à Paris, dans les grandes métropoles. Après, malgré le fait qu'on a le sentiment qu'il y a en même temps beaucoup plus de demandes, non ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper. Pour l'instant, c'est une baisse, c'est un arrêt de la hausse des prix. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui annoncent la fameuse explosion de la bulle immobilière qu'on prédit depuis 10 ans. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop parce qu'il y a beaucoup de forces de rappel qui vont soutenir les prix, même si effectivement, ce qui est clair, c'est que de l'autre côté, avec cette crise sanitaire et économique, il y a une pression à la baisse des prix qui n'était pas là il y a un an, puisque tout simplement les revenus des Français souffrent. On revient tout à l'heure au raisonnement de base sur l'immobilier, les revenus souffrent, donc les revenus locatifs vont souffrir, donc les actifs devraient souffrir un petit peu. Maintenant, il y a de plus en plus de ménages qui ont besoin de se loger, il y a des taux qui sont très bas, donc voilà. Je ne pense pas qu'on faille annoncer ici la fin du monde. Non, et puis pareil, on peut supposer que ça reprendra très fort une fois que le Covid sera terminé. Tant que les taux seront bas, il y a des forces d'ordre. Ça marchera.
Merci à tous les trois. Merci vraiment pour votre partage d'expérience. On vous souhaite que vos entreprises marchent le plus fort possible, bien sûr, malgré le Covid. Merci. Demain, vous retrouverez... merci aussi à Philippe pour la technique. Merci, Philippe. Demain, vous retrouverez Florence Soeur. Et moi, je vous dis à mardi prochain. Très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci. Je passe ma photo.